Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va jouer à Days. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Troisième épisode pour ma part, aujourd'hui moi ça va plutôt pas mal. Ouais, alors on est en train de vendre 2-3 goodies. Sympatoche n'est-ce pas? Alors, suite au fail dans l'épisode précédent de ce foutu hélicoptère à la con de placement de merde pour le décollage. D'ailleurs le mec est toujours là, hein, c'est lui là. Il est toujours là, il est toujours frais, dispo, c'est une enflure. Bref, je suis allé save quelques petites choses qu'on avait sur nous, à savoir beaucoup de fric dans un des coffres. J'ai d'ailleurs récupéré dans ce même coffre quelques petites armes que je n'avais pas vendues lors de mes précédents fights, etc. Donc je me suis dit, ok, on va aller faire ça vite fait, bien fait. Je suis parti à l'est, complètement à l'est, parce que j'aimerais bien aller voir au héros véhicule, voir s'il n'y a pas moyen de se faire un petit peu de... Je sais pas, voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Parce que j'ai quand même 8800 d'humanité. Je sais pas vraiment ce que ça représente, si oui ou non c'est bien ou pas, je sais pas, mais je me dis peut-être que quoi. Alors là j'ai une arme, je ne sais pas du tout ce que c'est, je sais pas. Ah bah si c'est ça, ok cool, oh, de la merde, très bien, pas grave. Ouais, et je sais pas si on peut acheter des trucs, je pense qu'à mon avis on peut acheter beaucoup de véhicules très intéressants. Et potentiellement même un meilleur hélico. Je sais plus qui c'est qui me disait dans les commentaires qu'il y a un hélico apparemment où il y a des armes à l'intérieur, où tu peux prendre des trucs. Enfin, c'est assez flippant quoi. Ah oui, j'ai encore ça. Oh putain, j'ai plein de trucs. Forge. C'est vrai que j'ai encore ça. Alors je dépose mon sac. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai une arme à deux mains là qui traîne. RPK, voilà. Juste dans le doute. Où il va me virer mon sac ou une connerie dans ce genre là, j'ai vraiment pas envie. Pourquoi t'as les yeux fermés? Tu dors? Oui apparemment tu dors là. Hé! Ah voilà. Possible ça. Putain je te jure, faut leur gueuler dessus à ces gens. C'est incroyable. Et j'espère qu'il y a personne dans le coin aussi parce que mon hélico est blindé hein, de trucs. Donc voilà, le mec il a juste à venir se servir. Remarque, on est dans une safe zone. Techniquement, si c'est bien foutu, ils ont empêché le fait que justement ils puissent récupérer des trucs. Donc voilà. Normalement, ça devrait le faire. Variante de G36. Ce qui vaut pas de fric, ouais, voilà, c'est pas grave. Si on arrive à se faire 100 000, c'est bien, histoire que je puisse me faire un. Comment dire, une briefcase, voilà. Qu'on va pouvoir mettre ensuite quelque part, qu'on va pouvoir save un endroit, je ne sais pas encore où, mais on va se démerder. 416 SD. Ouais. Ouais, c'est quand même la meilleure des 416, visiblement, vu qu'elle est en dessous. Je sais pas trop, en fait, je sais foutre rien. On vend. Et après, on enchaînera l'émission, parce que, encore une fois, on n'est pas beaucoup sur le serveur. On ne peut pas PVP. Ouais, malheureusement. Enfin, si, on peut PVP, mais faut le voir, le mec, quoi. C'est où, ça, les massa trucs, là? Ah, c'est ça. Ok, pour les 100 000, ça risque de craindre un tout petit peu. Ah non, 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 j'ai encore deux snipers à vendre, c'est vrai. N'oublions pas les deux snipers, ne négligeons pas ces deux snipers qui valent un bon potentiel de fric, là. Ah bien sûr, la MK48, tu m'oublies, je ne la vendrai jamais. Bam, 15 000. Allez là! Ça, c'est bon, ça. Parfait, parfait, parfait. 15 000 balles en plus. Nickel, et l'autre sniper par contre lui vaudra peut-être un peu, ouais, 10 000 ou 15 000 aussi. Mais bon, ah mais j'ai encore le, oh le night vision, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 10 000, ouais, je vais pas y arriver, c'est con ça. C'est con ça. Il va manquer un poil. 87 000, ouais l'autre ça m'étonnerait qu'il fasse 20 000. XM, je ne sais quoi, machin de ouf là. 14 000, ok. Bien, on va essayer quand même de trouver quelque chose qui va nous permettre d'arriver à 108 000. Ouais, on va trouver un truc. Obligé. Non! Est-ce que je t'ai demandé de rentrer, espèce de... On va y voir. Bah déjà, on a ça. Bon, déjà, on va récupérer ça, première chose. On va récupérer mon sac également, parce que ça, voilà, c'est important, n'est-ce pas? Hein, j'ai pas énorme qui pourrait me ramener. Ouais. Non, j'ai pas énorme.
Putain, c'est con ça. Combien elles valent tes munitions, toi, déjà, de... 600. Ouais, non. Ok, d'ac. Dommage, assaut. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah si, c'est ça, ouais, ouais, métal, métal, métal. Métal, voilà. Hop, hop. Sel. Et on va vendre les 10 gold bars. Ou je ne sais pas combien il y en a. D'être remarqué, on va, en fait, on va peut-être juste en vendre 8. Enfin, ouais, on va vendre pour 216 000. Voilà. Et arrivé à 216 000, on va s'arrêter là. Ensuite, on va aller chez le héros, voir ce que lui, il a proposé dans sa petite échoppe. Si toutefois, je peux parler avec lui. Voilà. Et ensuite, on fera des missions de nouveau. On ira défoncer du NPC, on ira défoncer du boat. Parce que j'ai des revanches à prendre, parce que j'ai des claques à mettre. Oh, le painkiller! Il me faut du painkiller en masse. C'est vrai. En masse! Non, non, parce que c'est pour ça que ça m'a saoulé, là. Non, je peux plus. Je peux plus. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai absolument tout, sauf le painkiller. C'est vrai que j'ai carrément zappé de prendre des painkillers. T'inquiète que ça n'arrivera qu'une fois. Mais t'es trop lourd. Une briefcase, c'est lourd. Et les 15 000 pierres qu'il avait sur lui, là, c'est pas lourd, ça? Enflure. Je te jure, putain. Impossible, ça. Anyway. Medical supply. Painkiller. Bye. Ouais, bye. Vas-y, franchement, là. Alors, on a combien? 173 000, 9, 18. J'arriverai pas à mes 208 000, en fait. C'est con, ça? J'aurais pas dû vendre mes cailloux. On s'arrange. Non, achète, vraiment. Non, vraiment, tu achètes. Qu'est-ce qu'on fait? On se prend une briefcase ou est-ce qu'on se prend un coffre? Je sais pas trop. Tiens, ça me paraît bien. Combien on a là? Oui, enfin non, on va pas non plus acheter tout, on va pas acheter tout son stock non plus, on va pas déconner. Voilà. Ah ouais, il est là le mec avec son véhicule. Alors on est deux sur le serveur, hein, les amis, hein. Je tiens à vous le dire quand même, on est deux et le mec il est là. Trois. On est trois maintenant. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Ah, il m'a briefcase, oui, c'est vrai. On va s'acheter une brief et ouais, ça me paraît bien. Après bon, j'aurais pas dû vendre mes caillasses, mais ça, c'est pas très grave, c'est pas non plus un big deal, quoi. On va s'acheter des boissons aussi, vite fait. Parce qu'il me semble que de la bouffe, j'en ai encore. Salut, bisous. Hello. Hello. Désolé, mec, j'ai pas le temps. Je dois y aller. Alors, encore une fois, salut, à bisous. Salut, Hunter. On s'appelle, hein. Non, j'ai vraiment pas le temps. Faut que j'aille voir un vendeur héros, là. Voir ce qu'il a proposé dans son échoppe. Désolé. Hein. Alors, j'espère au moins qu'on va pouvoir discuter avec lui. Ce sera une bonne chose. Et ensuite on file directement en mission et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, dans le précédent épisode, ou alors c'était avant, je sais plus quand c'était, en tout cas je les ai vus, les NPC, et ils étaient vachement mal placés en fait. Ils étaient vraiment sur le toit du monde. Et donc on va devoir se mettre, enfin ça va être un sacré combat, je pense. Viens voir, est-ce que je peux discuter avec toi du coup ou pas? Yes! Alors, ammunition. Tac, tac, tac. Hélicoptère armé. Ah, très bien. Wow. Military armed. Truck armed. Weapon. MK48. Ah, tu m'étonnes.
Oh putain, il y a un FN Fall. Allons faire des missions, les amis. On va se faire un peu de blé là. Je vais revenir pour un hélicoptère. Très clairement, tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. On va revenir pour un hélico, les amis. Un hélico armé de sa maman. Ah, très bien, il n'y a plus de mission. Pas grave, j'attends. Prenons de l'altitude. Vol stationnaire automatique. Et on monte. Et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Et on va attendre que la mission daigne bien pop. Et on fonce sur le truc, mon pote. Et on va les démonter. Pourquoi je prends beaucoup d'altitude? Parce que je vais piquer comme un sac. Pour histoire de gagner un max de vitesse. C'est beau quand même, hein, regarde-moi ça. On voit plus rien, mais c'est beau. Donc on peut acheter chez le vendeur héros. Yes, ça c'est de la boulette. Oh putain, on va se faire un hélico, les amis. 216 000 balles, Nico. Pas de problème. Pas de problème. On va attendre qu'il y ait un bon, une bonne mission du genre banque, je sais pas quoi là. Et c'est parti. Et c'est parti. De toute façon, on prend n'importe quelle mission, on s'en fout, on y va. On a déjà une briefcase sur nous, remarquez. C'est très bien. Faudra juste que je vois où est-ce que je dépose mon hélicoptère à la base. Dans l'idée, quoi. Peut-être au restart serveur, remarquez, dans une heure. Ça peut le faire. Je sais pas, on verra. Vous savez quoi, on va se mettre au milieu de la map aussi. Parfait. Et on va attendre que la mission pop, parce que bon, en même temps, on n'a pas le choix. On a que ça à faire, les amis. Je peux même vous faire une petite ellipse, tiens, d'ailleurs, entre temps. Ouais, je vous fais une ellipse et j'attaque la mission dès qu'elle est là. Je vous dis à tout. Bien, re, les amis, on se retrouve. Ça y est, la mission à pop, elle est au nord, quasiment à Arnoldstein, si pas à Arnoldstein même. Je me suis fait tirer dessus ici avant, donc je suis allé réparer vite fait, bien fait. Parce qu'il y a encore des bugs qui traînent, souvenez-vous. Alors, c'était pas dans cet épisode, c'était dans l'épisode précédent. Où il y avait je ne sais pas combien de gens derrière moi, et visiblement il y en a toujours, et il y a deux mecs encore qui sont, voilà, il y a encore des potes en fait. Donc je suis passé avec mon hélico, et j'ai commencé à me faire tirer dessus, je me suis dit ok on va se retourner, on va leur tirer dedans. En fait non, c'est eux qui m'ont défoncé mon hélico, je me suis barré vite fait, je me suis dit ok bon très bien, y'a pas de problème. On va se casser de là assez rapidement. Et voilà quoi. Oh sympa, les baraques en plein milieu de nulle part toi. Ouais, intéressant. Alors attends, on est passé par où là? D'accord. On va aller peut-être raider cette zone. On va voir à quoi ça ressemble un petit peu. On ira faire ça plus tard. On va aller se faire d'abord quelques missions vite fait. Et éventuellement se faire un petit peu d'argent. Donc on arrive sur Arnoldstein et son Nerfield. Techniquement le combat et le fight se passera là. On va voir si on peut voir quelqu'un déjà de base. Personne. Bon, comme ça, un gros veau, il va prendre son temps pour tourner. Il faut absolument qu'on les repère histoire de pouvoir se placer au mieux. Ah putain, ils sont là. Stop. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer juste à l'autre bout en fait, tout simplement. Là où on ne risque rien. C'est-à-dire à l'autre bout du pont, voyez-vous. Et on va leur tirer dessus de là-bas, tout simplement. Parce qu'en même temps, MK48, je te le rappelle, ça fait le café comme il faut. Et correctement. Ça pop? Ouais, je crois que ça pop. Ils sont dans le fumier en fait, les mecs. Moi, je suis pas certain. On verra.
Ils sont pas du tout dans le fumier en fait, les mecs. Ok, surtout tu prends ton temps, mon canard. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh! Voilà, s'il te plaît, avance, dépêche-toi, parce que j'ai pas envie de me prendre une balle dans le dos comme un gros con. On va remonter dans l'hélico. Du coup, on va se replacer. Ah putain. D'accord, les voilà. Tu voulais pas monter sur ta pierre pour une fois. C'est dommage ça. Alors, en voilà un de tomber. La précision de l'arme est juste impressionnante. Alors bien sûr, on touche pas. En même temps, tu sais à combien de mètres on est là ? Oh, oh, presque. Et bim, ça tombe. Allez, ciao. Allez, ça tombe, ciao. Impressionnant ce truc. Complètement n'importe quoi. Alors, j'ai quand même vérifié le pont. Des fois, qu'il y a des rigolos qui veulent s'amuser à monter. Oh! Je sais pas si je l'ai touché. Ce HS. 30 minutes avant le restart. Ok, ok. Ça roule ma poule. Bon, on va voir. Est-ce que ça approche ou ça approche pas? Non, on dirait pas. On va voir aux jumelles un petit peu comment ça se passe là. Alors j'en ai encore un debout, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il est dans ses potes là. Et je sais pas si je vais réussir à le toucher d'ici en fait. Parce qu'on est quand même à 600 mètres, hein, 650 mètres. Il est encore vivant. Il est encore vivant, mais je crois que c'est le dernier. L'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des balles traçantes de temps en temps. Donc du coup, vous pouvez savoir où, à peu près où vous tirez. Toujours vivant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, debout là. Enflure. Que je te mette la sauce. Bam. Celle-là, elle aurait pu toucher. Ça va beaucoup trop loin. Ok, on va reprendre l'hélico. On va recharger, parce qu'en même temps, pas comme si on avait une chier de munitions sur nous. Et on va redécoller, on va voir à quoi ça ressemble. Les mecs ne savent toujours pas d'où viennent les tirs pour l'instant. Ils sont complètement largués, les pauvres. Ça, c'est plutôt pas mal. Allons-y. Alors, je sais pas ce qu'il y a à gagner dans cette histoire-là. J'espère que c'est intéressant. Ce serait bien. Genre le truc de la banque là, ça c'est plutôt pas mal. Parce que c'est 3 briefcase directement. Pas de discussion. 3 briefcase, cash. Et ça c'est bien. Ça c'est même très bien. On va pas passer trop près non plus. On va faire un petit peu le tour. Il n'y a plus qu'un seul mec vivant, je crois.
même cas, c'est que c'est très très mal placé. Ça, c'est un problème, voyez-vous. Bon, alors, on va le tenter à l'arrache. J'espère juste qu'ils sont pas encore 15. J'aurais dû poser la lockbox. Oh putain. Petit pèteux de merde. C'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Me foutre dans la merde maintenant, c'est normal. Je te jure, c'est Zomba. Quand ils peuvent te faire chier, mais alors vraiment, ils hésitent carrément pas. Aïe. Et j'ai perdu énormément de vie. Juste pour une seule baffe. C'est ça qui est génial. Incroyable. Bien, du coup, comment on fait avec notre ami là qui reste? Allô? Non, t'as pas envie? D'accord, très bien. Tu m'emmerdes, ok. Je sais pas s'il en reste en fait. Bon, on va faire un rasmote, hein. Je crois qu'il y a que ça qui me donnera la réponse. Mais il en reste un, je suis quasiment sûr. Le mec, il a dû bouger, mais à mon avis, je l'ai pas tué de là-bas quand même. S'il te plaît, tourne. Oh là là, c'était dur. C'est une horreur. Il est bien, mais c'est une horreur. Alors on a un hélico ennemi, enfin un hélico ennemi non mais... Putain, j'ai réussi à le tuer quoi. Incroyable. Alors, faut quand même qu'on fasse gaffe. Parce qu'il y a un mec là. Il est pas loin. Et putain, j'ai pas vu où était le fumier. Shit. Alors il a très bien pu poser quelque part pas loin et il m'attend, hein. C'est complètement possible. Hein. Faut que les caisses arrivent assez rapidement. Allô, voilà.
il va tomber dans la flotte, c'est bien ce que je pensais. Putain, dépêche. Elles sont où ces caisses là? Magne-toi, s'il te plaît. Pas de briefcase, pas de briefcase, ce sont que des armes, très bien. Ah non, voilà. Ok. Allô? Ouais, parfait. Et on se casse. Avec son hélicoptère civil, il est quelque part l'autre là? Enfin, avec son hélicoptère, son Little Bird, non. Bon. Sûrement. Il était sûrement quelque part, je ne l'ai pas vu, c'est tout. La carte, putain, ferme là, bordel, c'est pas vrai ça. Incroyable! Et où est-ce que c'est? Il est où mon point en fait? Allô? Ah d'accord, juste devant, très bien. Ok, donc il était quand même quelque part. Je pense que pour la prochaine mission, on va bien se marrer, les amis. Mais à mon avis, il y aura restart serveur entre temps. Donc voilà. On va aller vendre les 2-3 goodies qu'on a sur nous là. Rapido. Et on va éviter de se prendre l'arbre aussi, ce serait bien. J'ai vraiment pas envie de crever comme un con. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Ellie, my friend. Ouais, ben, my friend, le friend qui m'a tiré dessus, c'est pas vraiment un friend. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bien. Alors, attends. Du coup, on va vendre les 2-3 cochonneries qu'on a sur nous, là. On va commencer par ça. Je sais même plus ce que c'est comme arme. ACR, ok. Hop. Ok, ACRSD du coup. Ouais, c'est ça. Vente. Alors, encore une fois, on espère avoir les 108 000 pour se faire une briefcase. Briefcase que d'ailleurs, faudrait que j'aille sauvegarder. Si j'en ai une deuxième, je vais la sauvegarder, la briefcase. Potentiellement, ça peut arriver parce que je vais vendre les deux derniers cailloux que j'ai sur moi là. Et ça devrait le faire. J'ai 36, ça vaut rien du tout. 36 qui se vend chez le mec d'armement standard en fait, il me semble. Ouais, c'est ça. 2700. Ridicule. Vas-y, on vend. Terminé. Ouais. Je vais essayer de mettre les briefcases à l'abri avant le restart serveur. Je sais pas quand c'est. Bientôt, mais ouais. On va faire ça. On va essayer de faire ça. Massad ASD. Putain, je vais pas l'avoir. Hein. Je ne vais pas l'avoir, cette briefcase. C'est malheureux. Alors, je pourrais sortir un peu de thunes de ma banque, en fait. Ça peut être malin. Ouais, je vais faire ça, en fait. Je vais sortir un peu de thunes de ma banque. Tac, tac, tac. On va vendre ça. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Métal. Hop. Sel. Et on va sortir le reste de la thune de ma banque, histoire de pouvoir compléter la deuxième briefcase qu'on va ensuite planquer quelque part, je ne sais où, encore dans un des coffres qu'on a placé au préalable. Ou alors on s'achète un coffre maintenant et on ira le placer. C'est bien aussi ça en fait. Non, c'est pas toi la banque, c'est toi.
d'ailleurs, qui regarde dehors et qui en a rien à foutre de moi. Eh hey, pas vrai, ça. Ok. Ouais, toi. Building supplies. Safe. Il y a un véhicule. Oh, on va acheter la briefcase en fait. On va acheter la briefcase, on va décoller et puis on va se barrer quelque part vers un des coffres qu'on a. Je sais pas encore où, mais on va trouver. Hop. Fantastic. Et ce serait bien aussi de se mettre un petit peu de vie en fait, je pense. Se mettre un peu de bug derrière la foutre. Voilà, parfait. Juste histoire d'être full life, je sais pas combien j'ai de vie, ouais voilà. Ça coûte rien, on s'en fout. Encore toi ? C'est le même mec qu'avant, je crois. Intéressant. On va aller poser nos affaires là. Ah, laisse machin là. Et je vais vous faire une petite ellipse, les amis, le temps d'eux. Je vous reprends une fois qu'on a décollé. Wow, c'est bon. Je vous reprends une fois qu'on a redécollé, pardon. A tout de suite. Oh, et avant ça, t'as vu la voiture bien rose là? C'est mignon. Ah, restart 15 minutes. En fait, je vous reprends après le restart serveur. A tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Alors, entre temps, il y a eu restart serveur. Entre temps, j'ai fait un lol. Entre temps, enfin bref, il s'est passé plein de trucs. Parce que le serveur était locké pendant je ne sais pas combien de temps. Du coup, on se retrouve, les amis. Et on est sur le toit du monde. Absolument. On est à l'heure actuelle. Alors que nous parlons, n'est-ce pas? Nous sommes quelque part dans la montagne. Là. On était passé par ici. Avec l'hélicoptère, il me semble. Et j'avais vu une base, en fait, d'en haut. La base, la voilà. Avec un hélicoptère sur le toit et tout le tralala qui va bien. Mon hélico à moi, techniquement, s'il n'a pas bougé, est... Exactement, il est là, voilà, parfait. Donc on est très bien, et on va voir si on peut pas rentrer dans cette base là. Je sais pas trop ce qu'on peut découvrir à l'intérieur, je sais pas s'il y a quelque chose, je n'en sais rien, mais on va essayer. On va essayer, et on va essayer ça en défonçant, alors soit cette porte là, soit cette porte là. Je pense qu'une porte simple sera plus simple à défoncer qu'une porte garage, donc on va y aller franco. Hein. Je sais pas combien j'ai de munitions sur moi, par contre, pas beaucoup. Ça craint. Ok, on va faire avec. Allons-y. Et à un moment ou à un autre, ça va péter. Ouais, c'est mieux. Au moins, on s'entend parler. Voilà, et on va faire ça pour la fin de l'épisode. On va essayer de rentrer dans son fief. Au petit là. J'espère qu'il a des choses intéressantes à l'intérieur. Ce serait un peu con de rentrer dedans sans qu'il y ait rien quoi. Ok. Ah putain, heureusement qu'on a de la munition. Alors normalement ça doit tomber plus rapidement qu'un mur pierre, on est d'accord. Enfin j'espère bien parce que sinon on n'est pas dans la merde. Et j'ai vu un truc aussi intéressant depuis l'hélico en fait. J'ai vu qu'il y avait une caverne un peu plus loin et qu'il y a un mec qui a commencé à construire à l'intérieur. Pour l'instant ça ressemble à rien, mais je pense qu'il va essayer d'en faire quelque chose. Ouais, on peut peut-être essayer de voir ça aussi tout à l'heure, mais je sais pas si on aura le temps en fait. Au pire des cas, je vous montrerai ça dans un épisode prochain. Je crois qu'on a plus de mine. N'a-t-il pas? Absolument, on a plus de mine. Ok. Alors, on va gentiment se rentrer là-dedans. Et on va déco-reco. Comment le mec, il arrive à atteindre son... un hélico? Il doit y avoir une échelle là-dedans, probablement.
Ok, alors on va redémarrer. Et on est reparti. Et on va lui mettre une misère à cette porte. Je pense que ça va tomber rapidement. À mon avis, on n'aura pas besoin de faire 50 redémarrage pour que ça passe. Et il y a quand même un petit peu de monde sur le serveur. On pourrait se tenter un petit PVP dans l'épisode suivant. Je sais pas si je vais avoir le temps d'en faire un. Je sais pas trop. Putain, c'était rapide. Hein. Wow. Désolé. Les bandits ont décidé de faire un camp. Intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui sont sur la mission. On va voir. Je vais me laisser la fin de cet épisode et le rush de cette base pour savoir s'il y a des gens qui font des missions ou pas. Si c'est le cas, on va essayer de... Bon, éventuellement, l'épisode prochain, on va essayer de faire un petit peu de PVP sauvage comme ça. En essayant de choper les mecs qui sont en train de faire les missions. Oh là là, putain, ça tient cette porte, dis donc. Fou ça. Solide le bois aussi, hein. Ah, normalement, le truc là, il est troué dans tous les sens, hein, mon pote. Hein, mais genre troué violent. Avec une MK, ouais. Ah ouais, la porte, y'a plus de porte là, normalement. Bah bon, c'est un détail. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas grave. Alors le truc intéressant aussi, c'est que je crois que ça, tu peux le placer toi-même. Enfin, une sorte de. Et alors je me demande si c'est le mec qui l'a placé ou pas. Parce que c'est un peu placé bizarre. Ouais, je sais pas. Bon, allez là. Putain, j'ai plus de mine. On peut redémarrer. Alors redémarrons. Redémarrons. Je suis en train de me dire, bon, est-ce que... ouais. Est-ce que les missions... ouais, il y a forcément des mecs qui les font, mais est-ce que les missions, je vais y aller en hélicoptère ou pas? Telle est la grosse question. Parce que y aller en hélico, déjà, ça fait qu'on est super visible, mais ça fait aussi que, bon... Nos chances de se tirer, c'est un peu amaigri quand même. Alors lui il va pas aux missions parce qu'il est pas dans le bon sens. Donc ça nous intéresse pas. Et la mission d'ailleurs est tout honneur, c'est la première fois que je la vois là-bas. Allez là, la porte tombe. Bordel. Pas vrai ça, on va pas lâcher tous nos chargeurs dedans quand même. Une balle. C'est beau ça. Allez là. Merde, sans déconner. Je sens que je vais faire une ellipse et le truc qui va tomber. Ça me saoulait. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils aient pas de coffre en fait et qu'ils aient des trucs pour poser les armes, enfin des trucs tout simples. Ce serait énorme. Voilà, on y est. Oh putain, il a une porte dans la porte, l'enflure. Ah, le bâtard. Bien vu, mec. Ok. Moi, du coup, si on veut rentrer, faut rentrer par là, quoi. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas voir à l'intérieur. Là, on peut pas cheater, on peut pas voir non plus. Ok, il faudrait péter la deuxième porte. Bon, là, je vais faire une ellipse, les amis. Hein. Bien, alors, les amis. Boum, 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 la porte. Regarde. Bim. Allez, voilà, qu'est-ce qu'il y a? On a récupéré un Pol Plot que je ne sais pas quoi faire avec. Que si, je pense, on va le défoncer, en fait. Alors, j'ai juste redémarré rapidement la partie pour avoir de nouveau les munitions pleines. Qu'est-ce qu'on a là-haut? C'est intéressant ce qu'il nous a fait l'amigo là.
Très bien, très bien. Ok. Open the door. Ah ouais. D'accord. On peut pas déverrouiller les coffres, ça c'est normiche. Il y a un coffre ici également, intéressant. Est-ce qu'il y a un pulp plot là derrière? On va essayer de voir. En utilisant la technique de seigneur de notre ami là. On va éviter de tomber dans le vide aussi, ce serait bien. Oh, je pense pas. Oh, j'ai pas l'impression. Je crois que l'unique pulp plot il est là en bas, c'est celui-là. Donc on va défoncer ça. Et après le reste on ne peut pas ouvrir. Malheureusement, bon c'est pas grave. Hein. On va voir combien de temps ça prend pour tomber ce truc là. Putain, je vois rien du tout. Non! Cucu! T'as perdu un chargeur encore à saut. Allez, bim! Tant pis. Alors j'espère que c'était à personne d'entre vous, mais si vous venez pas rapidement, le truc il va tomber. Hein. Alors je sais pas si on peut exploser comme ça celui-là, ou alors il faut... Ou alors il faut peut-être un lance-grenade, je sais pas quoi, un truc dans le genre. Je sais pas trop. Disparition du pôle plot. Du pôle ploteux. Très bien, les amis, on s'arrête là pour cet épisode. Alors, on aura fait un mini rush rapide. Tout va disparaître. Je pense que l'hélicoptère va tomber de son toit également. Donc, ça va être drôle. Voilà. C'est pas très drôle pour celui à qui ça appartient. En même temps, on me fait la même. Donc, voilà. J'aime bien emmerder le monde aussi quand il faut, des fois. Malheureusement, il n'y a rien à récupérer dans cette base. C'est bien dommage. La prochaine fois, les amis, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais voir déjà si la mission a été faite ou pas. Apparemment, pas. Peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va faire autre chose, je ne sais pas encore. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis à demain 18h pour un nouvel épisode. Je vous fais des petits bisous. N'hésitez pas à aller checker le site asomania.fr, les amis, également. Et si vous vous saluez, et si vous voulez, eh bien, n'hésitez pas non plus à faire partie du jeu concours. La réponse le 27 septembre, je vous le rappelle. Merci bien, salut tout le monde.